Salut la team, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça fera plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications, où là, on va découvrir une application pardon, qui se nomme Se coucher moins bête. En gros, ça va être une application qui va permettre de découvrir des anecdotes ou d'apprendre de nouvelles choses intéressantes, ou voir des choses qu'on ne savait pas. En gros, apprendre de nouvelles choses, quoi. Donc, on va aller directement à l'accueil, où là on découvre toutes les nouvelles anecdotes qui sont sorties. Donc on va aller celui-là. Une expédition coloniale française au Tchad en 1999, connue un scénario proche de celui d'Apocalypse Now. Des officiers devenus fous semèrent la terreur parmi les tribus locales, n'hésitaient pas à massacrer la population sur leur passage. Devenu incontrôlable, Paris envoya une garnison pour les arrêter. Mais ils tuèrent son commandant. Après, on trouve quoi d'autre? En France, si vous avez reçu régulièrement des appels, ça, vous avez déjà vu. Alors, l'expression, le chant des signes désignait la dernière œuvre notable d'un artiste avant sa mort, ou le dernier fait important marquant de la fin d'une époque. Cette expression vient d'un mythe de la Grèce antique, décrivant un signe muant, chantant superbement pour la première fois juste avant sa mort. En vrai, on peut trouver des trucs, des choses intéressantes, découvrir des nouvelles choses intéressantes. Hein. Après, ce qu'on peut faire d'autre, on peut voir les choses les tops, enfin les plus regardées, je pense, ou les plus intéressantes. Certaines personnes ont la capacité de contrôler la contraction du muscle tenseur du marteau situé dans l'oreille moyenne. Cela crée un bourdonnement caractéristique similaire à celui que l'on entend lorsque l'on bat fortement. Ça, je ne savais pas non plus. Le Disneyland de Tokyo n'appartient pas à Disney. Il s'agit d'une société japonaise qui exploite le site et qui a réussi à obtenir la licence auprès de la firme américaine. Ce fut le premier parc à thème sur la production Disney hors du territoire américain. Donc là, on peut retrouver toutes les anecdotes qui sont top de la semaine, du mois. La musique du film Le Parrain fut nommée aux Oscars puis disqualifiée car le thème principal était considéré comme plagiat du film La Fortunella, sorti plusieurs années auparavant, sauf que le compositeur Nino Rota a composé le thème des deux films. Il a donc été accusé de plagiat lui-même. Eh ben, je savais pas ça. Ensuite, avant, en 1937, la majorité des Turcs n'avaient pas de nom de famille. Dans le cadre des grandes réformes kamalistes, une loi en 1937 impose à tous les citoyens d'en trouver un au-delà d'un délai de 2 ans. C'est l'administration qui leur en a attribué un. La Grande Assemblée nationale de Turquie donna à cette occasion au président Mustafa Kemal le nom de Atatürk, le père des Turcs. Je savais même pas. Donc voilà, on trouve des trucs intéressants, après on peut garder toutes. La plupart des hôteliers, signalent dans leur chambre qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils sont responsables que des objets qui leur sont confiés. Cet avis n'a aucune valeur juridique, ils sont responsables du vol, ils doivent indemniser leurs clients jusqu'à 10 fois leur prix de la nuit pour le vol, pour les objets volés dans leur établissement, ou 50 fois la nuit. Si des objets sont volés dans un véhicule stationné sur le parking de l'hôtel. Ah, sans accrocher de commentaires, on va regarder les commentaires. Parce que bien évidemment, on peut regarder les commentaires pour voir si l'anecdote qui est dit est véridique ou pas en regardant ce qu'ils disent les commentaires. Donc on va descendre, nous. Alors, si tu devais voler un truc alors que tu es dans la suite Rolex de Georges Vin, tu as 20 000 € la nuit, c'est jackpot. Après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. N'importe quel résident de l'hôtel peut dire qu'il lui a volé sa montre en or, je doute fort que le remboursement soit si simple à effectuer. Moi aussi je doute, moi aussi je suis d'accord avec lui, moi je doute. Enfin, je crois pas que c'est vraiment vrai ça. Hein, l'anecdote est juste, sauf qu'elle est incomplète. Un hôtelier n'est pas responsable du vol ou de disparition d'objets. D'objets personnels des clients. Si dans l'hôtel ou dans les chambres des coffres-forts sont disponibles. Si dans les chambres aucun coffre-fort n'est disponible, alors l'accueil de l'hôtesse possédant vous est de
vos airs de si fait libre. Ah, ça se voit que je suis fatigué, hein. Bon, ben, on va arrêter de lire, mais... Voilà. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on peut vérifier les anecdotes directement en regardant les commentaires, en cliquant sur les commentaires qu'on voit ici. Mais bon. Donc voilà, c'était une application qui permettait... Ah non, vous montrer une dernière petite chose qui peut être intéressante, ça va être les mots-clés. On peut trouver des anecdotes en regardant les différents mots-clés. Par exemple, on peut aller dans les séries, des anecdotes qui sont liées à une série qu'on aime ou qu'on a envie d'apprendre plus de choses sur cette série, des choses qu'on ne connaissait pas. On va prendre Olivier Tom. Ce bon truc de foot. Dans la série animée de football Olivier Tom, on aperçoit souvent les deux personnages courir sur un terrain en forme de courbe. En effet, pour pouvoir rentrer dans les budgets, les dessinateurs chargés de l'animation ont été contraints de faire cela afin de pouvoir cacher les autres joueurs, ainsi éviter l'animation de 22 joueurs simultanément qui auraient été complexés et coûteux. Eh ben. Donc voilà, qui veut gagner des millions. Donc voilà, voilà, hein, profession. Donc voilà, c'était une application pour apprendre, pour découvrir chaque chose tous les jours, des nouvelles choses intéressantes, ou découvrir des choses sur une série, ou bien sur un thème, musique, profession, sur le sport. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et bien sûr, vous pouvez retrouver le lien pour télécharger directement cette application sur votre téléphone Android, juste sur la barre de description. A plus la team!